les différents psys, psychiatres, psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes. Le psychiatre, il est docteur en médecine, qui est spécialisé en psychiatrie. Il est d'ailleurs, comme tout médecin, le seul qui sera habilité à donner un traitement. Il peut être également psychothérapeute et psychanalyste et utiliser ce type de méthode dans la prise en charge des personnes en souffrance psychique. Le psychologue est un titre protégé depuis 1985. Il a suivi une formation universitaire et est diplômé d'un master 2 en psychologie. Le psychothérapeute, dont le titre finalement va être protégé par un décret, et avec des conditions de formation et de stage qui vont être spécifiques à chaque type de thérapie, a pour objectif de diminuer la souffrance psychique du patient. Le psychanalyste, il y a une nécessité de formation et de réaliser une analyse personnelle. Pour autant, aucune formation n'est encadrée par la loi, ce qui veut dire que le titre est non protégé par la loi. Et la psychanalyse a une importance culturelle assez forte en France.